Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On va jouer aujourd'hui à Twisted Metal, tout court, pas Twisted Metal Black, hein, qui était sorti sur PS2 et même sur d'autres consoles, il me semble, enfin en tout cas dans la génération après PlayStation 1. Donc un jeu qui ressemble beaucoup à ce que vous avez pu voir, par exemple si vous jouez à Destruction Derby. La seule différence, c'est que là, évidemment, on parle vraiment dans la destruction pure. Il n'y a pas forcément de course, là, il n'y en a pas, tout court. Je vais vous montrer un petit peu la démo. Vous allez voir directement à quoi ça ressemble. Voilà, donc on se bat contre des adversaires, et c'est déjà un peu le bordel, dans des milieux bah, un peu différents. On peut se battre en ville, on se bat un petit peu à la campagne, dans certains univers. On a tous ces personnages-là, alors sûrement d'autres qui seront à débloquer. Sachant que le but, en fait, l'histoire du jeu est assez simple. Il y a un mec qui a proposé aux vainqueurs de tous ces tournois de leur offrir ce qu'il veut, peu importe ce qu'il souhaite. Et c'est là où, voilà, bah, ce scénario le plus bas possible du monde. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y en a pas. Hein. En gros, c'est vous vous battez, vous gagnez, vous allez avoir ce que vous souhaitez. Alors, il faut savoir que il y a 12 personnes qui sont sélectionnées comme étant les meilleures. On a par exemple un agent secret qui roule en Lamborghini, il cherche un objet puissant. Alors là, je cite un peu Wikipédia, hein, je ne sais pas combien il parle par cœur, mais. On a une femme par exemple qui demande 1 million de dollars, on a un ancien militaire qui voudrait sauver ses camarades morts à la guerre, voilà ce qu'il veut. On a un fantôme d'un homme qui veut revenir à la vie, un clown tueur à la recherche de son meilleur ami, un soldat envoyé par le gouvernement américain pour trouver un objet très puissant. On a un homme solitaire à la recherche de son fils disparu, on a le boss du jeu indisponible dans le jeu normal d'ailleurs, et on a un homme solitaire à la recherche de son fils disparu. Et un mec qui veut carrément mettre fin au Twisted Metal. Twisted Metal, c'est le mec justement qui propose de faire gagner bah, ceux qui veulent aux autres. On a aussi deux lycéens rebelles qui concourent pour le frisson du combat, un rejeton de l'enfer à la recherche de ce qui lui appartient au droit. Voilà, ce genre de truc. Et là, vous voyez, c'est une démo d'un autre jeu auquel nous jouerons sûrement une autre fois, mais ce n'est pas le but. Donc on va revenir sur le jeu originel. Ce jeu m'a l'air assez exceptionnel d'ailleurs. Donc on a l'histoire avec le Contest History, je vais pas vous la redire puisque c'est ce que je vous ai un peu expliqué. On va faire Exit et on va prendre un mode un joueur puisqu'on pouvait jouer à deux. Et donc vous pouvez voir qu'on a, voilà, on a différents véhicules. Alors vous voyez que c'est un mélange quand même 2D 3D si on se réfère avec le petit truc au-dessus du véhicule. On a le Yellow Jacket, voilà, avec son taxi. On a le Dark Side avec un. Eh bien, avec un énorme camion. On a le Outlaw avec une voiture de flic. On a un Thumper avec une voiture américaine. Bah, style années 70-70. On a la fameuse Lamborghini rouge, parce que pour moi c'est une Lamborghini. Peut-être une Lamborghini Countach d'ailleurs. Crimson Fury. On a Pit Viper, la fameuse femme, avec son petit buggy. On a Warthog. Warthog, je peux comprendre. Avec son camion militaire. On a Monsieur Grimm qui est avec une moto. On peut aussi piloter une moto. On a Spectre. Alors Spectre, c'est marrant, ça ressemble beaucoup à James Bond 007. Alors là, il est au volant d'une Corvette. Je crois que c'est une Corvette. Je sais plus le nom de la Corvette, mais elle était dans Gran Turismo 1. Hammerhead sur son Big Truck, enfin son Monster Truck. On a Roadkill. Alors Roadkill, j'ai l'impression que c'est un petit peu un hommage au film qui se passe dans le désert. J'ai oublié le nom. Le film où le but c'était de retrouver, il y avait des gens qui tenaient tout l'eau de la région et le but c'était de les tuer pour récupérer l'eau. Mad Max, voilà, pas tout simplement. Ensuite, on a Sweet Tooth, donc voilà. Donc il y en a qui sont pas présents, mais on a quand même une grande majorité. Alors je sais pas que tu voulais qu'on prenne. Écoutez, je vais te prendre Spectre, on va prendre ça par exemple. On a les infos de la voiture. Voilà. Open Road. Ok, bon, c'est pas grave, c'est écrit en anglais, je ne comprends rien. On peut voir que, voilà, au niveau des Special Weapon Power, on a 4 étoiles, il a une bonne vitesse de pointe, un bon handling, par contre, il a pas beaucoup d'armor. Donc finalement, c'est pas une bonne idée. Peut-être prendre un truc qui soit un petit peu entre les deux. Par exemple, lui, peut-être que lui, il a un peu plus de mun. Non, il l'a pas. Il l'a pas, donc on va changer. On va faire un truc entre les deux, ça pourrait être pas mal. Le taxi, ça pourrait être cool. Lui, bon, évidemment, ça va être pas mal. Et peut-être que le roadkill, finalement, il pèse entre les deux. Ah, voilà. Ouais, par exemple, il est un petit peu difficile à manier, mais on a une bonne protection. On va prendre roadkill. Voilà. Et on va lancer donc. Alors, on a les options.
On peut changer le niveau de difficulté. Donc on a easy, medium ou hard. J'ai envie de mettre... Faut laisser medium. Voilà, standard. Donc on voit les... Donc pour accélérer c'est tighter. On a gas avec carré. Et je vous fais remarquer quand même quelque chose. Je sais pas si c'est normal. Mais vous aurez remarqué que la croix bleue là, elle est bizarre. On dirait non, c'est une croix bleue. On dirait une manette prototype de Play 1, pour vous dire. Je vous rappelle que le jeu est sorti en 95. Et qu'en 95, c'était la fête, la PlayStation 1 est sortie fin 94 au Japon, quelques mois après la Saturne, et début 95 en Europe. Et je me demande si cette manette n'est pas une manette prototype de Play 1. Pourquoi pas, ça serait intéressant de voir. Allez, on va faire exit. Et on va donc commencer tout de suite le jeu, assez parlé, Begin Battle. On a le Arena Duel, donc on va rencontrer lui comme opponent. Et le but, ça va être donc de le buter. Alors j'accélère avec carré, c'est assez particulier, mais bon pourquoi pas. Vous voyez le maniement, assez direct. Ouh, il m'a mis un putain de vent. Il m'a couché. Je sais. Alors attendez, on va essayer de comprendre le jeu. On va essayer de comprendre le jeu. Voilà, j'ai récupéré ça. Là, je tape. Alors vous voyez, j'ai pas vous dit. J'ai l'impression que avec voilà R2, je peux tirer dessus. Alors c'est vraiment pas évident parce qu'accélérer avec R2, pour moi, c'est anti-logique. Ah, il m'a tué. Il m'a tué. Et là, je vais mourir, hein. Si j'avance pas, je vais mourir. Il m'a pourri. Il m'a pourri complètement. Je l'ai même pas touché, le mec, quoi. Je l'ai même pas touché. Alors attends, on va avancer. Voilà, c'est à moi de toucher maintenant. Voilà, c'est bon, on a réussi à l'avoir. J'ai mis quelques mines. On va essayer de prendre peut-être quelques petits trucs là. Je peux faire un saut. Ça sert à rien, mais je peux faire un saut. Alors, dans une arène assez simple. Voilà, là j'ai touché encore un peu. Il faudrait que je récupère des items. Parce que là je tourne en rond, mais j'arrive pas à récupérer des bons trucs. Alors si je tire dans les caisses, je peux normalement, voilà, récupérer les items. Ça c'est cool. Et du coup, je vais m'en servir contre lui. Il essaie de me tourner autour. Voilà, là j'ai touché. Par contre, j'ai pris tarif, hein. On va essayer de repasser par là. Voilà. À mon avis, il va me couper en deux. On va essayer de reprendre un truc là. Oh! Vous voyez, là il m'a bloqué. Et on voit son niveau de vie en haut, hein. J'ai oublié d'en parler, mais. Et là je suis complètement mort. Ah, malheureusement, on s'est fait pourrir. Alors, ce que je vous propose de faire à la limite. Ah, mais là il m'a tué. Il m'a tué. Je suis sûr qu'il doit y avoir un. Alors, quand je fais triangle, vous voyez, j'ai un peu de turbo. J'ai 18 de turbo en bas. Si j'appuie sur triangle, je peux passer à 17 ou 16. Il m'a pourri. Mais alors vraiment quoi. Il est où? Il est là, il fait le tour, il fait le tour, il fait le tour. Ah, j'ai loupé. Oh, Darsad, je vais pouvoir le tuer. Allez, je fais le tour, je fais le tour. Yes! On l'a eu. Alors on a un petit code que j'ai pas eu le temps d'enregistrer. Donc là par exemple on va avoir trois opponents contre nous et pas forcément qu'un seul. Donc ça va être assez compliqué. On va essayer d'avancer. Et là on est en ville. Alors le maniement est très très réactif. Vous voyez, j'appuie à peine à droite ou à gauche, bah ça tourne d'un coup. Hein, c'est. Je dirais pas que c'est simple parce que c'est pas le cas. Là j'ai pété une bagnole. On a quelques personnes autour. Oh, là il me tire dessus là. Alors on a une mini-map en haut. On peut voir par exemple où se trouvent les ennemis. Oh, il m'a roulé dessus là. Allez là, allez là, allez là, allez là. Le problème c'est pour la buter celle-là, ça va être compliqué. Alors normalement elle a pas beaucoup de vie par rapport à l'autre. Il faudrait que je récupère des items. Alors je sais pas où on va récupérer des items en revanche, il y en a là. On va faire un demi-tour. On va écraser le mec qui est là. Ça ressemble un petit peu à Armageddon, légèrement, on va dire ça.
Alors, je vais essayer de le finir. Oh, par contre, il m'a roulé dessus. Il m'a roulé dessus, j'ai perdu. Je crois que j'avais 3 vies. Donc je suis revenu déjà au menu principal. Alors je vous avoue, c'est un petit peu décousu comme test, mais en même temps c'est vraiment compliqué. Donc ce que je vous propose de faire, c'est qu'on va passer en mode facile, quitte à changer de véhicule. On va prendre la... Allez, on va prendre la voiture de flic cette fois-ci. Et on va donc changer les options, on va se mettre en facile. Oui je sais, en mode petit joueur, mais écoutez, hein, quand on découvre le jeu, pas toujours le choix. Alors je le disais, les maniements sont assez enfin même totalement arcade, hein. On peut pas se mentir, mais je pense qu'une fois qu'on prend l'habitude, il y a de quoi se marrer. Alors, il faudra aussi mettre sur le compte que le jeu est quand même un des premiers sortis sur PlayStation. Donc, au niveau des graphismes, bah, finalement, je trouve que c'est quand même pas mal. Sincèrement, on est en 95, et je trouve le jeu pas trop dégueulasse. Voilà, j'ai un petit truc laser là, je sais pas à quoi ça sert. On va essayer de casser des trucs. Faut, voilà, je vais récupérer ça. Par contre, j'ai vraiment du mal à, la, à savoir où il est, on le voit sur la carte. J'ai l'impression qu'on tourne, on se tourne autour, là. J'ai l'impression qu'on se tourne autour. Donc à mon avis, on peut faire ça pendant 2 heures. Ça sert à rien. Hop, on a cassé un item. Là, on va pouvoir casser ça aussi. Il est où? Il est là, il est là, il est là, il est là, il est là. Je vais essayer de dépéter encore quelque chose, voilà. Comme ça, je récupère encore des items. Allez, autour, il est autour, on l'a vu. On va passer ici, voilà. Encore un coup. Ah, c'est qu'il a pas mal de points de vie. Je pense que là, c'est bon, non? Ouais, nickel, on l'a réussi. Alors, vous voyez, rond, triangle, carré, rond. Il faudrait que je m'en souvienne, puisqu'il n'y a pas de système de password. Enfin, il y a un système de password justement, donc ça me permet de. Ça me permet dès le départ de passer directement à la deuxième mission quand je me loupe. Alors, c'est un peu con parce que je me suis devant lui. Ah, du coup, oui, effectivement. Alors là, on est un petit peu entre les deux. Donc, on va essayer de les éviter un peu. On va essayer... Oh, il y a un camion, on va essayer de voir le camion. Ouh là, par contre, je me suis fait super mal. Là, je me suis fait bloquer complètement. On va essayer d'utiliser un peu le turbo, voilà, pour accélérer d'un coup. On va aller les items un peu partout dans le sol. Alors, le décor, il est un petit peu destructible, vous en êtes rendu compte, j'imagine, depuis tout à l'heure. Il n'y a pas beaucoup de choses, quand même, apparemment, qui se détruisent. C'est un petit peu dommage. Mais bon, comme je vous dis, c'est un peu le premier, donc c'est difficile de critiquer ce genre de jeu quand ça fait partie des jeux les plus récents, en tout cas pour la 32 bits. Voilà, par contre, je vais essayer de mettre un turbo parce que là, je me fais rouler dessus. Hop, 17 turbo. Excusez-moi. Oh, je suis passé au-dessus de lui. Je suis passé au-dessus de lui. On va essayer de faire le tour. Et ouais, j'ai quasiment plus de vie. Voilà, Sumper, elle a pas pris beaucoup de dégâts. Par contre, moi, oui. J'ai gagné un turbo sur le côté. On va essayer de rechercher quelques items, même si j'en vois pas beaucoup. Voilà, on a encore gagné un turbo. Là, c'est encore un turbo. Je fais un peu le tour. Voilà. Il semblait qu'on pouvait réparer aussi la voiture. Alors j'ai posé des mines aussi, on voit pas trop, mais s'ils roulent dessus, ils se font arrêter d'un coup. Oui, la Yellow Jacket, elle a pris tarif. Et ce que je vous ai pas montré aussi, mais vous voyez évidemment, c'est bien entendu que... Bon là on est mort, mais c'est pas grave. On a fait... on s'est foiré. Ce que vous avez pas vu... Enfin que vous avez vu, mais que je n'en ai pas parlé. On va essayer de sortir de là. C'est que la voiture se démolit aussi. Il y a des dégâts pas localisés mais presque sur la voiture. Alors j'essaie de me concentrer parce que j'aimerais vous montrer quand même un deuxième niveau. Enfin un troisième niveau. Parce que là bon on fait un peu le tour. J'ai fait passer par là. Aïe aïe, c'est moi qui fais n'importe quoi.
Voilà, il va arriver face, de face, de face. Non, lui, il m'emmerde. On va faire le buter. Voilà. On va essayer d'aller voir la voiture blanche. Hop, ici, il va se passer un truc. Alors, ouais, quand je passe par là... Vous voyez, je répare. Et du coup, je peux lui mettre une mine au camion. Ça permet de regagner un peu de vie. Par contre, là, je suis poursuivi. Il va falloir que je... Voilà, je m'éloigne un petit peu. On va arriver sur un autre ennemi, la voiture rose. Elle est où la voiture rose? Là, on est passé à côté. Alors, je trouve que c'est quand même bordélique hein, comme jeu, mais bon, on s'y fait. On va essayer de passer par là. Bon, ça c'était un allié. Allez, on va faire encore le tour. Vous pouvez voir le point noir, le point jaune et le point violet. On va essayer d'aller chercher la vieille voiture violette. Même si c'est un peu bête, puisque finalement, il y a une voiture que j'avais bien amouchée. Voilà, Sander, je vais lui mettre copieux. Ah, t'as prendre copieux dans ton museau, hein. Alors, on va essayer de récupérer un item là. Et vous voyez, si je gère bien, je peux réparer ma voiture à nouveau. Voilà, ici. Alors, ça répare pas entièrement, mais ça répare une partie. On va essayer de faire le tour. Alors, je pense qu'il doit y avoir de la musique dans ce jeu. Ce qui m'étonnerait vraiment pas. Mais, bizarrement, j'en ai pas. Oh, il m'a séché. Il m'a séché. On va vite se barrer avant de se faire démonter par le camion. Il est en train de me suivre. Heureusement que ma voiture est quand même assez... Yeah. Alors, on va essayer de restaper le... Ah, il est là. Alors, il me fait vraiment mal. Donc, on va plutôt pour le moment essayer de se faire... Le pilote violet, qui malheureusement s'est calé pas loin. Ah, il s'est calé pas loin, donc on va essayer de l'éviter. Je crois que j'ai utilisé tous les points de... Tous les points de respawn. Le jacket, il est quasiment mort. On va essayer de se le faire. Mais j'aimerais quand même récupérer quelques items pour pouvoir justement le finir. Parce que pour moi, j'ai que dalle. On va essayer de passer par là. Voir s'il y a quelques trucs à faire. Yo, jacket est quasiment fini. Ah, il y avait un item là, mais je l'ai pas vu. Alors là, je crois que c'est une. Il y a un chien aussi, on peut y creuser des chiens. Je vois pas l'intérêt, mais bon, pourquoi pas. Alors attendez, on va faire ça. Oula, alors j'ai fait un looping, ça servait à rien. Si ce n'est que c'était fun. Alors là, j'y vais comme un bourrin, ça sert à rien. Il faut plutôt que je m'en aille. Ah oh bah là je suis mort. Là, je suis mort complètement. Il me reste encore une vie logiquement. On va essayer de se faire la violette aussi. Voilà, une en moins normalement il me semble. Non, toujours pas. Bon, il y a marqué 3-0, c'est-à-dire que pour le moment aucune des voitures n'est morte. Par contre, il faut vraiment que j'arrête de faire ça. Parce qu'à chaque fois, je me plante complètement. On va essayer de la suivre. Voilà, une en moins, on est enfin bien. On va essayer de faire l'autre. Alors oui, j'ai encore un peu de vie, donc je vais pas forcément me réparer maintenant. On va attendre d'arriver sur le camion. Qui est là. Et qui m'a totalement pourri. Faut pas que je le rentre dedans, hein. Le camion, à mon avis... Ouais, je dis ça, mais je rentre dedans finalement, c'est un peu con. Oh, on a eu de la vie là, c'est con. Vite que je m'en aille. On va essayer de faire le tour. Voilà, mec en train de me tirer dessus. On va faire le tour là. Et on va se réparer maintenant. Est-ce que ça va passer? Oui. Nickel. Voilà, puis j'ai récupéré les munitions, donc c'est parfait. J'ai failli prendre un missile dans la tronche. Allez, Darkseid, on l'a quasiment eu. Je vais aller me healer quand même encore un peu. On va aller buter un mec là. Voilà, qui a rien demandé. Alors, que dire sur ce jeu? Alors, l'ambiance sonore, on va oublier. Mais en tout cas, je trouve le jeu quand même plutôt fun.
Alors au début c'est quand même vraiment bordélique, je vous avoue quand j'ai joué la première fois j'ai fait oh my god mais qu'est-ce qui m'arrive? Là ça va à peu près. Il y a lui aussi que j'ai pas. Enfin aussi que j'ai buté en fait, voilà c'est bon, c'est fait. À nous deux maintenant, sacripant. Ça c'est l'expression d'une autre époque. Une expression typiquement de 95. Je vais aller me healer. Avant de prendre cher là. Ouais c'est bon, on va rusher, on va rusher. Allez, si je gère bien mon coup, on va pouvoir se faire réparer. C'était pas là, c'était dans le virage après. Voilà. On est un peu sauvé. On va aller chercher. Oh putain. Oh, par contre, ça c'est pas gentil. Je suis prêt à un missile. Je me demande si le fait de les écraser, ça les. Allez, je pense qu'on peut le faire. Il reste plus que lui. Il n'a quasiment plus de vie. Je pense qu'il y a moyen de se le faire. On va essayer de. Et ben voilà, on a réussi. Donc du coup, on a. Alors. X carré carré. Oh, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps de voir le code. Et là, on aura 5 opposants. Donc, à mon avis, ça va être encore plus compliqué. On va essayer de faire Monsieur Grimm, là. Voilà, parfait. Je pense que je peux limite le faire en une fois. Par contre, ils sont deux sur moi. Oh, ouais, je fais n'importe quoi. On s'en va vite. Oh! Oh là, il m'a sodomisé. Et voilà, et là j'ai perdu. Je n'ai que 3 vies, donc 3 vies pour finir le jeu, c'est assez compliqué. Et malheureusement pour moi, eh ben, je n'ai pas retenu le mot de passe, donc je pense qu'on va laisser tomber. Bon, attention, il n'y a pas grand-chose à dire sur ce jeu. Chaque fois qu'on va avancer une partie, on va se retrouver avec beaucoup plus d'opposants. Il me semble qu'on peut aller peut-être jusqu'à 11 ou 12, je sais pas, il doit sûrement y avoir un boss à la fin. En tout cas, voilà. Que dire de plus? On va remettre les crédits. Sur ce jeu, la Comtesse History, vous allez pouvoir lire un peu l'histoire, qui en plus se déroule en 2005, donc 10 ans plus tard. Et pour nous, bah aussi 12, 13, 14 ans en arrière. Donc voilà, il explique l'histoire, c'est assez bizarre. Mais voilà, donc c'est un jeu que je trouve plutôt pas mal, enfin il est amusant. Après, c'est vrai qu'il a très 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 mal vie dans son maniement, au niveau des graphismes c'est pareil, mais à l'époque c'était une tuerie, hein. Si vous regardez les vidéos de présentation de PlayStation, enfin en tout cas à l'époque, dans les années 95 au début, ça faisait partie des jeux, pas référence, mais quand même dans les jeux les plus montrés pour la PlayStation, puisque c'était quand même un jeu plutôt bien réalisé. Maintenant voilà, ça a vieilli, je pense que Destruction Derby est quand même bien mieux, on a des jeux qui sont bien mieux, mais pour l'époque c'était pas trop mal. Les graphismes sont corrects, le framerate était pas trop mal, mais bon, il y a quelques ralentissements qu'on voit pas forcément dans la vidéo, mais il y en a quelques-uns. Voilà, donc comme je dis, chaque concurrent a sa propre histoire. Qu'est-ce que je vous ai pas dit non plus? On a fait l'arena, on a fait le warehouse, le Free Fee for All, mais on a aussi encore 4 autres niveaux. On a donc une arène dans les toits de gratte-ciel. On a un quartier de banlieue. Enfin, il y a plusieurs maps, mais il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a pas tant que ça. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo, qui sera malgré tout assez courte, vous aura plu. C'était assez compliqué de parler en même temps avec un jeu aussi vif, mais bon, c'est comme ça. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao tout le monde et surtout, joyeux Noël!